Une fille de 8 ans est brûlée dans le quartier de Makala de Kinshasa. La famille affirme que la fille était possédée par un esprit maléfique. Et c'est pourquoi elle a dû mettre fin à la vie de cette dernière. Les personnes vivaient isolées, abandonnées la nuit dernière, dans une rue de la ville a été trouvée ce matin par les aiguilleurs. C'est le troisième bébé jeté en espace de 10 semaines. La situation devient alarmante dans la ville de Kinshasa. Les taux de grossesse non désirés chez les adolescentes ne cessent de croître. Inspecteur Morgan. Bonjour maman, comment va le malade? Depuis ce matin, il a décidé de ne pas parler. Alors, comment tu te sens? Un peu bien. Tu dois arrêter de boire l'alcool avec les antibiotiques. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de ce problème? Quel problème? Les filles de la rue, les filles mères, les avortements. Que voulez-vous que j'en pense? Ces filles ne sont que les victimes de la situation économique du pays. Selon moi, on ne doit pas les juger, mais les accepter. Puis-je vous aider? De quoi souffrez-vous? Je dois d'abord remplir votre fiche. Votre nom? Marie. Marie Ilanga. Ok. De quoi souffrez-vous? Mais dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous avez? Et alors, je pourrais peut-être vous aider. Je veux avorter. Pourquoi veux-tu avorter? Pour que je puisse t'aider, je dois d'abord savoir ce qui s'est passé. J'ai été violée. Je ne voulais pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai suivi. J'avais tant de problèmes. Et lui, il est...
pas. Je vais t'aider. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Moi, c'est Morgan, de la police de Yolo. Tu peux me faire confiance. Je te promets, ce type entendra parler de moi. Je m'appelle Marie. Je serai là toujours pour toi. Que faites-vous? Non! Qu'est-ce qu'il a? Non! 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 Arrêtez! Non! Qu'il a géré ainsi. C'est lui le coupable. Marie, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas ta faute. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à avorter. Je n'ai pas les droits. Je ne peux pas. Je ne pratique pas l'IVG. Cette fille avait confiance en cet homme, mais lui n'a pas hésité pour abuser d'elle. Tu sais, la petite Marie n'avait que 15 ans. Ce dossier est maintenant entre les mains de la police. Et je suis chargé de cette enquête. Cette tortue, je l'aurai. Inspecteur, j'espère que vous arrêterez cette ordure. Mais le vrai coupable,